Ça marche. Salut YouTube. Voilà, on fait la suite parce que je me souviens plus c'est quel épisode. Puis let's go. Alors, sachant que ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué en plus, quel enfer. Alors j'ai juste bidouillé un peu le jeu avant. C'est bien d'arrêter. Je suis fier de toi. J'ai fait la même. C'est pour ça que je voulais bien lancer la pierre. Comme ça on me la renvoie dans la gueule. Normalement la dernière fois on a été là-bas. J'essaie de marquer les bruits au niveau des touches. Ok, multi-angle. Ah oui, j'avais eu celui-là. Alors, j'ai fait le pont sur la rivière Thaï la dernière fois. C'est le dernier que j'avais fait. Thaï à la neige, safari cambrousse. Allez, tu sais quoi? Ça m'inspire. Il neige en plus actuellement chez moi, donc c'est parfait. Ouais. J'adore vraiment la montagne. Les kangourous, les wombats et les langoustes géantes ont on skip le niveau que j'ai. Ah, c'est parfait. J'espère que tu as pris des caleçons propres. Non, ils sont sales. À moins que tu veuilles vérifier s'ils sont propres. Wink wink. Ouais, ça fait des blagues dégueulasses, alors moi j'en fais aussi. Du coup, si je fais ça maintenant, ça fait comment? C'est bon. Oh, c'est ah merde, faut que je me rebarre. Très grave. Plein de traces de pneus. Ah ouais, d'arrêt. On marque son territoire en fait. Petit Bouni a provoqué une avalanche sans le faire exprès. Je les entends, mais je ne les vois pas. T'inquiète pas, Sheila. Je vais les retrouver. J'ai pas suivi le scénario. J'ai juste lu le message de Bipix. Alors moi je vais aller dodo, oui je suis dorée, vous pouvez le dire, bah bonne chance à toi Bipix hein, pour demain, tout ça, bon courage, bonne nuit tout le monde, et tu peux mentionner Zenertex pour l'image, merci Zenertex hein, pour l'image, du coup on sera pas dans la VOD, mais merci à toi, merci indirectement à toi, et salut YouTube, et abonnez-vous, pas follow, et abonnement, follow, un abonnement on parle, donc souscrivez à un abonnement, tu peux mettre McFay, Carlito en tag, et aussi évitez de vous excuser les amis, évitez parce que sinon, bah comme ça j'affiche l'image et je mets Zenertex au passage, ouais, ne t'excuse pas. C'est le principe. Allez. Allez, bye Bipix. Quel enfer. Du coup, attends, elle a dit quoi? Tu les as trouvés? De quoi? Le respect? Les respects? Désolé. Chut. Alors. Attends. Bah attends, du coup, on est dans un pays où il y a de la neige. C'est mioche. Ah. Rosone qui supprime quoi, il y a des gens qui s'excusent. Allez, let's go. Attends. Non. Ah. Oh, la musique, elle est cool par contre. Attendez, faut que je monte le son chez moi. En vrai, elles sont très cool, elles sont très vintage, on va dire, mais elles sont très très cool les musiques. Ah merde, c'est des ennemis. Ah écoutez, moi je tire d'abord et après je réfléchis quoi. Oh, t'es un vrai héros. Bon, enfin, je tire d'abord et je réfléchis après. Un vrai héros, t'es sûr? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais attends, du coup, le petit tas là. Non, c'est vraiment rien. Ok. Je veux pas que ce jeu il a un peu putassier sur les bords. Oui, des blébouilles. Alors. Bon, ouais, il a l'air sympa ce level. C'est con, mais. La neige est compacte ici. Ça glisse vraiment. Comme Brigitte. Ça pourrait être utile pour accélérer. Et effectivement. Là, faut bien faire attention. Ouais, j'imagine. Bon, du coup, j'imagine aussi qu'il y a un koala à chaque fois qu'il y a des abrutis autour. Hey, Thaï. Oh, génial. Génial. Ah bah non. Donc là, j'imagine qu'il y en a aussi. Je vais aller de ce côté. Ah
Alors, je découvre, hein, je répéterai encore et encore, je découvre le jeu. Merci, bye. C'est bizarre, je... Ok, je pourrais aller là-bas après, je pense, pour ça. Ah, oui. Ok. Ah bah, je peux aller là, du coup. Oh, il y a des nouveaux mobs. Ouais, en vrai, ils sont classe, quand même, les mobs, aussi. Je réalise pas à quel point le jeu, il est quand même bien foutu pour l'époque. Il est très kitsch, parce que le scénario, le doublage aussi, voilà. Ça aide pas. Mais, honnêtement, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Je suis descendu, parce que... J'avais oublié, eux. Oula, la caméra. J'en suis sûr qu'il y a la possibilité de faire de la grosse merde avec ça. Ouais, non. Faut aller là. Là. Ok. En vrai, très cool le level. Je suis très fan là pour l'instant. Ah, t'es gueule. Ah, c'est ma faute. J'étais trop vite. Bon, c'était pas utile, mais... C'est encore que le début. Bah, j'imagine. Ah ouais, attends. Ok, il y a deux passages. Dans tous les cas, je serais obligé de revenir au début. C'est pratique parce qu'à la fin du level, tu respawns là-bas, donc au pire... Au pire, je vais prendre le chemin qui a l'air le plus chiant pour moi. Je pense que c'est celui-là. Donc, let's go. Oh putain. Ok, non. Attends. Hop. Oh la vache, ouais, ça patine comme pas possible. Voilà. Pas de soucis, gamin. Oh tiens, je l'avais pas vu, toi. Hop. Attends. En vrai, je peux remonter. Faut juste que je spamme les sauts, de ce que je peux voir. Dézinguer tout le monde là. Je vais remonter. Je vais juste remonter par pure curiosité pour le coup. Et il y a là-bas. En vrai, non, c'est con, mais c'est une bonne méthode. C'est une très bonne méthode. je pensais que c'était une grosse blague à la base. Mais c'est une vraie bonne méthode pour remonter. Et même pour te déplacer tout court, en fait. C'est vraiment trop bien. J'aime bien, par contre, la musique, ça fait très... agent secret, tout ça, c'est très drôle. Pouede. Ou fuck. Ok. Je viens de réaliser à quel point il est grand. Ah merde! Je me disais, tiens, l'écran était trop propre. Je connais pas le terme exact de l'audio docking et j'ai fait ma petite recherche et c'est ce que je voulais depuis pas le temps. Donc je vous remercie à vous deux d'en avoir parlé. J'ai plus de config. Bah y a pas de soucis, Trivian. En vrai, c'est un truc ultra pratique et j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait. Parce qu'en fait, moi je le mettais sur le Blue Yeti. Je mettais le filtre du compresseur sur le Blue Yeti pour dire que l'audio docking doit fonctionner sur le Blue Yeti. Et je m'étonnais d'avoir des problèmes de son avec mon micro, quoi. C'est ce qu'on prend pour l'OST. Ouais, bah ouais, j'imagine. Mais du coup, bah un plaisir, Trillian, hein, écoute. C'est vrai que c'est un truc qu'on utilise. Enfin. Moi j'ai découvert ça grâce à Antoine Daniel du coup. Et c'est un putain de plaisir du coup l'utiliser. Parce que ça change la vie. Ça change la vie et ça permet vraiment d'avoir un bon son
d'une bonne hauteur et tout le bordel, enfin d'un bon niveau, et de permettre de parler quand même par au-dessus, sans avoir l'impression que le jeu il te coupe avec une mitraille de symphonie dans tous les sens, quoi. Une mitraille de symphonie. Ça veut rien dire, mais on va faire comme la plupart des youtubeurs, on va dire que oui. On va dire que oui, on va dire que c'est une nouvelle façon de parler. Comme ça, on se dédouane de toute responsabilité dans la compréhension la plus globale. J'utilise mon propre langage, hein, écoutez. On fait avec. C'est quand même giga grand. Normalement, j'utilise le suppresseur de bruit, mais j'ai arrêté d'utiliser depuis le marathon de décembre, pour le coup. Je suis même surpris, parce que je l'ai rajouté, en fait, sur mes filtres actuellement. Parce que, bah, mon micro, il gère bien sans. Donc là, il y a un spawn. Oups. Bon, je parie que j'ai trouvé les koalas les plus rapides à trouver. Maintenant, ça va être les plus chiants. J'ai fait le con. Merci Brozen du coup de tout ce que t'as pu me dire sans le vouloir par rapport au déplacement, hein. Là je les utilise. Hein. Le fait de pas planer en continu mais de spammer par exemple la touche de saut, ça permet de planer plus longtemps. Et j'avoue que ça c'est un kiff. C'est un kiff de pas devoir planer en permanence et se casser la gueule, quoi. Bon du coup, là j'ai pas été. Bah là je remonte par là du coup. T'as les bonnes strats, exact. Et ça me fait plus kiffer le jeu. C'est con mais. C'est très très con, mais ça fait plaisir. Attendez, je remonte, je sais qu'il y a un truc là, mais... Il y a aussi des trucs là. Alors le multi-rang là, il est quand même pratique. Hein. Bon là, j'ai pas le bon. Et du coup... Voilà. Tu peux spammer, et ça c'est un kiff. Ok, il y a un koala au-dessus. Bah surprise. Attends, j'ai pas été ici encore. Ah non, je pouvais passer par là aussi, j'avais pas vu du coup. Ouh, ah bah non, je suis remonté. Bah oui, déjà de ce que t'as pu m'expliquer, de ce que j'ai pu voir rapidement lors de ta run de la dernière fois où il y avait le numéro 1 mondial qui est passé. Effectivement, déjà tu m'impressionnes de base, donc tu es quelqu'un d'impressionnant, Brozen, sache-le. Ah mais je sais. Hey, yo. Merci, maître Tai. Y'a pas de soucis, j'aime te faire rougir, Brozen. Hors contexte, ça peut être bizarre, hein. Gardez ça pour vous. De toute façon, on n'est pas filmé. Tranquille. Parce qu'on joue au jeu encore. Ouais, j'ai envie de faire des compliments. Écoutez, ça m'arrive rarement, faut en profiter. Hey, oui, bah il va attendre, le koala, hein. Coupez tout. Get away. Cut. J'ai voulu le bouffer, mais pas de soucis. Je suis super. Oh, ok. Je vais clip. Ah, merde. On cut. About the mission. Je fais gaffe, parce que s'il y a les snowboarders de l'extrême, la carte passe... Je vais me faire boulotter le derrière, ça va être horrible. Ouh. Oh yes. Ça va faire mal au derrière quand même à force. Parce qu'on est d'accord que là il retombe pas sur ses pieds, hein, quand il bourdit comme ça. Elle est bonne, on la garde. Quel enfer. Ouh. Wow! Quand même en Australie là. Ouais, bah oui, effectivement. Hein. L'Australie avant le réchauffement climatique. Salut, gamin! Formidable! Génial! Parfait. Je vais pas aller voir votre daronne pour l'instant.
Pourquoi ça a l'air dégueulasse en fait de dire comme ça là d'un coup? Alors par contre j'ai vu ça là-bas. Je vais y aller. Oui, oui. Ok, je peux descendre. Ok, ok. Ouais, ça va, ça coule bien le level pour l'instant. Et j'ai pas tout découvert, ça je le sais. Mais ça reste cool. Je sais que je peux revenir au spawn pour finir la mission. Et pas la boat cette fois. Mais j'ai envie de continuer un peu à avancer parce que je savais que j'allais oublier des trucs, sinon. Attends, c'est combien de pales là pour ce level? 300. Ah, c'est 300 généralement pour tous en fait. Enfin, oui. Alors, il y a un rouage d'or là. C'est ça, 300 par niveau. Ok, d'accord, c'est bien ça, on est d'accord. On est d'accord. Pique-nique. On dérape. Allez. Voilà. Donc là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Okay. Je vais aller au bout là-bas. Je vais aller au bout de le bout avant. On sait jamais. Toudoum, 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 toudoum. On t'entend. Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Bon, ouais, ça pourrait m'aider. Ah, ok. Non, attends. Ah oui, mais attends, je suis con. Ah non, je suis pas con, en fait. Blob. Comment je fais pour monter? C'est quoi ce bouton déjà? Ok, c'est pour ouvrir ça. Je vais juste reprendre un peu d'air. Ou je crois que je peux attendre. Hein. Pas si urgent que ça. Ouais, enfin ça va être urgent. Hein. Je suis un connard. Je pensais que ça allait taper. Ah merde! Oh, ça c'est con. Faut vraiment qu'il soit sur le truc quoi. Ah ouais. Ouais, je pense qu'il en ira le cul. You, yeah. Je remonte. Ah, il en aura le cul. Fuck.
Bon, je vais le laisser me taper. Ah non, même pas. Ah. J'avoue, faut que je mette plus là. Hop, là. Puis bien sûr, il se met sur le côté. Putain. Bon, écoute. Je prends le temps. Je me permets. De toute façon, le level, il est grand. Pour ça, je prends le temps de faire attention. Donc c'est par là-bas, ok. Donc je saurai, il y a un chemin ici. C'est le chemin que j'ai ouvert tout à l'heure du coup. Putain, je m'attendais à récupérer de l'oxygène comme ça, mais faut voir que non. Bonjour. Bonjour. Attends, je suis pas arrivé à autre part là, moi, avec ces conneries. Si, si, je crois. Ça a l'air complètement d'être ça. Bon, il y a un truc à faire là. Bon, je vais finir de récupérer les opales. Je réfléchirai bien après. Faisons une chose après l'autre, ce serait bien. Donc là, il y a le bouton. Donc c'est là, ok. Ok. C'est là d'où je viens. Et c'est là où il y a cette crevette de malheur. Mets-moi un coup juste là. Si t'es pas trop conne. On va mettre là. Mets-moi un coup. Ouh, attends, attends, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Attends un peu. Comme ça, vu que là, elle est au fond. Un coup dans la gueule, voilà. Mais je suis con alors. Ou je me suis trompé, c'est pas elle. Attends, attends, attends. Ou je dois l'enfermer dedans. Ça paraît bizarre. C'est pas gentil. Bon, après la tuer, c'est pas gentil non plus, mais. Attends, ou peut-être que ça a reset justement parce qu'il y avait les 5, attends. Bon. Il y a certaines logiques que j'ai du mal quand même. Hein. Mais ok. Ok, bon, on peut repasser par là.
Ouais, c'est littéralement je dépouille ou le tuer. Moi, je préfère la... No way. Oh non, je viens de comprendre. Si c'est ça, c'est un enfer. Je regarde si... Attends. Non, je crois que je j'ai pas de touche pour marcher. En fait, c'est ça ma touche pour marcher. Putain, le stress. Phew. Hop là. On va gérer après là du coup. Parce que je m'attendais à une technique à la con du style, il faut glisser en fait. Prendre énormément de vitesse, d'élan, et en fait se propulser sur la machine pour sauter. Je m'attends à un truc comme ça. Genre tu sais que tu fasses ça, tu te retournes et que d'un coup tu revoles. Je sais pas, je m'attendais vraiment à un truc du genre. Du coup ok, c'est là le deuxième passage. C'est aussi une solution. Ah mais là il faut réussir à gérer je pense avec les mécaniques du jeu, mais ça c'est une des choses que je pense que je n'aurais pas réussi à faire. Putain, il y a beaucoup trop d'ennemis ici. Attends. Je vais pas regarder. Ça glisse. Je sens qu'il y a un truc avec les snowboarders là. Attends. Faut pas que j'oublie que je dois aller en dessous aussi à un endroit. Mais j'ai continué à faire tout ce qui est terrestre pour être sûr. Et bien avancé, je trouve. C'est le plus pratique. Sauf que j'ai pas allé sous l'eau. Dans n'importe quel jeu. Ah. Merde. Ah. Merde. Je vais tenter. Hein. Attends, comment j'ai réussi avant là? Ah, parce que j'étais. Ok. Parce que j'étais un peu plus haut, un peu plus loin, et du coup j'ai pu prendre de l'élan, tout ça on connaît. Ok, ok. Alors, j'ai pris tout ce qu'il y avait là. J'imagine que je peux aller là-haut aussi. Et j'ai pas pris ce qu'il y a ici. Parfait. Hein, j'aurais quasiment avoir tout pris au niveau terrestre. Peut-être là-bas, j'ai le doute encore. Et le render distance, il aide pas non plus. Parce que du coup, il y a potentiellement des trucs que tu peux voir au loin, mais que tu ne vois pas parce que bah, le jeu, il affiche pas forcément au loin. C'est assez, assez frustrant, ça, j'avoue. Quand même, tu tabasses des gens à coups de boomerang. Sokka d'Avatar te félicite. Appartient à cet abruti. Ah, mais attends, là, le saglisse, ça vient peut-être de là. Il s'en sert pour stocker du matériel pour un projet secret. Oui, le projet secret, pas si secret. Je crois qu'il y a quelque chose en haut. Vois si tu peux monter. Ça roule.
Et ça roule. Ah yes. Le bon nerf. Ouais, c'est par là aussi que je m'attendais à qu'il y ait quelque chose. Donc, il y a le rouage ici. Je pense que le rouage ici, je peux... peut-être l'avoir de là. Ouais, je pense. Je peux peut-être grimper là aussi. Non, attends, j'arrive pas à sauter. C'est quoi ? C'est quel bouton pour sauter ? Ah, putain, j'ai complètement oublié le bouton de saut. C'est, j'en suis sûr, c'est possible. Voilà. Le spam. Eh, ils font même pas de dégâts, par contre ils sont chiants. Ah, je suis là pour tabasser les jambes, hein. Faut exprès de me viser en plus. Allez, drift plus loin, toi. Atteinte ce rouage. Ah bah yes. Quel enfer, ouais. Ok, bon, ça j'irai un peu plus tard, je pense. Ça a l'air d'être mortel comme endroit. C'est bon. John Wick. C'est John Wick là actuellement, Thaï, c'est incroyable. Ça parle d'où, toi ? Hop. Je prends mon temps. Là, on voit juste là. Et du coup, c'est à cause de lui que le jeu est finissable à 99% dans ce défi. D'accord. Ok. Ah, je comprends. Oh, il y a une porte là-bas. Ouh, ça sent le défi de mort. Eh, t'es obligé d'avoir le flamarang si tu veux le faire à 100% quoi. Bah après, dans tous les cas. Bonjour ? Ah oui ! Ah oui, d'accord, il y a du monde. Oh. Oh putain! Multirang en vrai il est pratique. Hein. Hop. Oh. Ah oui, ok. Bon, bah écoute. De toute façon, Thaï c'est John Wick comme j'ai dit. Hein. Là il tabasse des gens mais. Y'a pas de respect, c'est l'élu. Ah oui, ok. Vraiment, le multi-boomerang là, c'est gratuit. Ça veut rien dire. C'est trop, trop pété, je trouve. Sérieux ? Je m'attendais à plus. C'était pas si difficile. En vrai, je suis en facile, hein. Je flex, mais je suis complètement en facile. Là, j'ai encore mal à l'épaule, par contre. Je suis en train de réaliser. Quel enfer. Doudoui. Ah
C'est pas du tout ça. Attends, y a beaucoup trop de chemin là. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la Syrie. Ouais, il m'a mis une pêche lui. Et Bruce Lee, il va se calmer. Je prends votre trésor après vous avoir cassé la gueule. Pas de soucis, je pense. N'oublie pas ça. Y'a un bouton? Non, c'est pas un bouton, c'est là où tu poses des opales. Là, t'as les champignons qui te TP au début. Je suis à combien? Je suis à 227, ok. C'est assez propre, ouais. Donc là, je peux pas y accéder ici parce que ce serait pas drôle, c'est ça? Ouais, sauf si. Faut que je prenne le chemin inverse, en vrai. Wouhou! Oh, bah c'est déjà pas mal! Ouais, je suis plutôt bien, hein. Je me rassure. Hein. Je me rassure. Bouille des bruits. Donc, ouais, c'est le bouton light qui active du coup le truc au-dessus. Je pense. Non, non, attends. Putain, la caméra par contre, elle est capricieuse. Hein. Attends. Ah! Bah, je préfère un truc genre. C'est plus agréable pour moi, ouais. Ah, mais il est dangereux ce bon manga. Putain, je peux pas accéder à là aussi, quoi. Putain, faut que je le fasse plusieurs fois le chemin! Là tu regardes, ok d'accord. Pourquoi il y a un event sonore là qui est en boucle sur le côté là? Ça veut rien dire. Attends, y'a un truc là-bas. Je peux y accéder sûrement avec ça. Oh, ça va être un enfer parce que si du coup il y a des endroits comme là où je peux y accéder, mais c'est la merde. Oh, mais ça va être un enfer ici. Putain, ça veut dire qu'il faut que. En fait, il faut que je tombe, mais tellement de fois pour être sûr de tomber sur le truc quoi. Et genre là, si je tombe vers là. Bah non, du coup. Du coup, faut que je passe là. Et j'en ai trouvé que 3. Hein. Bon. Oui, pas des bruits. Alors, t'as deux chemins empruntables du coup pour la Syrie. T'as celui d'en bas, celui-là, et j'imagine celui du dessus. Sachant que j'ai pas été encore sous l'eau à un moment. Heureusement qu'il y a eu un bug de caméra, j'aurais pas vu ça.
Voilà. Ok. Donc c'est complètement là où je pensais du coup. Par contre, il y a l'air d'avoir un truc, donc j'imagine que c'est dans le petit couloir que j'ai vu sur le teco là. Ici. Et ici, encore des araignées. J'adore les araignées. Genre par contre, les réflexes de taille sont incroyables. Genre tac, tac, dans les airs. Parfait. Merci pour le GG. Pourquoi ça fait de la musique? Oh, attends. Attends. Non. Tac, 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 donc c'est le fond. C'est sûr. Ah bah oui, dans une... Ok. Bah moi je me suis plus basé sur la sonorité et sur les tremblements que sur la couleur. Je suis daltonien donc c'est compliqué. C'est compliqué la vie, ok. Oh j'adore ça. Crash Bandicoot, on s'en souvient avant-hier. Ouf, ouais bah oui, nique, j'ai flex. Putain. Faut que j'arrête de trop flex. Eh mais c'est tendu comme passage. De toute façon, je vais mourir là, donc. Toc toc, c'est les impôts. Alors je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. C'est parfait. C'est pas le chemin que je veux emprunter, mais c'est pas grave. Parfait. Pas dangereux. N'empêche, elle est pas utilisable hein, cette série. Qu'on se mette d'accord. Il m'en reste un à faire normalement. Y a pas de soucis, y a pas de soucis. J'espère que ton farm s'est bien passé, mon cher Brozone.
Alors qu'on glisse, on peut pas... pas accélérer la descente. Donc je suis allé sur le deuxième normalement. Si je réfléchis bien. On verra bien. Ouais, je suis allé sur le deuxième. Très dangereux comme fonctionnement pour une série quand même. Il manque plus que certains qui fassent du snowboard. Bah, j'avance de la platine de... Ah oui, bah oui, tranquille. Tranquille, effectivement. Très propre. T'inquiète pas, hein, j'avais pas. Le niveau 100. Ah oui, ok, bah t'es souris, écoute. Hein. Ah ouais, bah j'avais pas compris que c'était pour ça en fait là, qu'on faisait tout ça. Je dois, ouais, on active des boutons pour ouvrir des portes. Wouh. Bon. Merci beaucoup. J'ai... C'est vrai que c'est pas très... je gagne du temps ce que je fais, je viens de réaliser. Au pire, c'est tout le temps. Je voulais le faire souffrir. C'est pas ici. C'est après, je pense. C'est là. Non, non, c'est là, et quoi? Ça, j'ai eu du mal, hein. Oups là. Ouais, non, j'ai oublié une grosse partie de la map là. Je me dis pas que tout ça c'est pour un rouage. Ce qui me manque. Ah non, j'ai eu les bandicoots, j'en ai dit. La course chrono, les... Ouais, non, il manque... J'ai complètement zappé une partie. Faut que je la trouve. Que j'ai souvent loupé dans ce niveau. Attends. Oh non. Non. Ok, je crois savoir... Il y a des endroits, je sais que j'ai pas exploré, et j'en ai conscience. C'est les coins, là. Mais donc, j'imagine que non, du coup... Je vais quand même vérifier dans le doute. Ah, j'ai l'étiquette de mon t-shirt qui me démange. Je vais retourner au spawn. Déjà, dans l'ordre. J'irai plus vite, hein, en prenant le bordel, mais écoutez, j'aime vivre dangereusement et ça me permet de bien zioter. Ouais, je sais, hein, j'avais les champis, hein, je me rappelle, mais c'est juste que là... Je voulais tabasser un peu du snowboarder, en fait.
Lui était tranquille en train de refaire ses lacets, blé. Ça fait les quais et les plages là. En hiver. La neige. Pas trop la plage du coup. Ah pardon. Balaboué. Il y a l'école François Mitterrand qui vient de passer là. Bonjour madame. 6, 7, 8. Le compte y est. Ah ben c'est pas bonne chance à toi, Bipix, hein, pour ton sommeil. Et ça se passe bien ici, t'inquiète. Pas de soucis. Là je suis un peu rapaplat, mais c'est normal, c'est vrai. J'ai trouvé ça dans la neige. Je te la donne. Cool. Il y a le chrono. Relax, Ty. Pas de panique. C'est un circuit normal. Sauf qu'il est enneigé. Ah, il est aux petits oignons, ce doublage. Et en pente. C'est une course. Et il faut passer par tous les points de contrôle. Assure-toi de bien tous les toucher. Sinon, tu n'auras rien. Tu auras, non ? Oui. Quel enfer. Quel enfer. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont consommé durant la production de l'OST, mais autant il y en a qui sont incroyables, des sons, autant là... Ça m'enjaille pas trop, hein. Oh non, me dis pas... Oh non, ça va. Attends. Non, c'est pas une idée, merde. Il a... Ouais, il est vraiment trop bien, du Pix, hein, pour le coup. Il est trop trop bien. Mais l'OST, elle me fume. Elle est débile. Des fois, les sons sont très très accurate. Autant là, je suis en mode... Il est sorti sur PS2, GameCube et Xbox, je crois. Il est sur PC. Là, la version que j'ai, c'est une version HD qui est ressortie du coup sur Switch. Et d'ailleurs, la version HD est trop cool. Elle est sympa. Elle est basique, simple. Du coup, je peux le trouver un peu partout là aujourd'hui. Hein. Même en émulateur, si tu veux plus te tenter en émulateur, du coup. Mais bon, vu qu'il est sorti en boîte. T'as de quoi t'amuser. Bien sûr, bien sûr. Oh putain, la caméra par contre elle est... Elle est un peu... un peu fatiguée. Hein. Quoi? Quoi, quoi? Putain, j'ai vraiment eu peur. Cette course ! Incroyable ! Tu as été vraiment très rapide. Voici une gemme. Ha ! Sans sas ! Ouais, on peut dire ça. Bon, il manque les opales. Il manque juste les opales. Sur les techos là, il y a un moyen que j'oublie en fait. Hein. En fait, il y a plein d'endroits où je peux oublier, donc c'est compliqué.
Ah non, c'est là où j'ai été tout à l'heure. C'est là où il y avait le Mortal Kombat. Le combat mortel. Mais non, en vrai... Je visualise pas, en vrai. Bon, honnêtement, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est problème? Non, mais répondez-moi, est-ce que c'est problème? J'ai payé. Est-ce que c'est un problème? En vrai, je compte pas le faire le 100%, donc au pire, voilà, quoi. Mais ça me frustre un peu. C'est pas un problème. Dos droit, c'est comme ça actuellement, et je me pète la colonne vertébrale au passage, donc en vrai, je peux rester un peu comme ça. Hein. Techniquement, je suis droit. J'ai pas le dos complètement droit. Il faut pas non plus que t'ailles dans un arc de cercle complètement pété. Mais effectivement, il faudrait que je sois un peu plus droit. Ouais, je pense qu'on va faire vraiment un live par level. Enfin, une session de jeu par level pour... aucune idée s'il en aurait du coup pas, pour le coup. Ah putain. Ce jeu de l'enfer. Sachant que je me suis mis à avoir peur maintenant sur Left 4 Dead. Warzone peut en témoigner. Mais trop bien Left 4 Dead aussi. Alors, je sais pas où elles étaient, les opales. Mais, ok. Parce que je les voyais vraiment pas. Je faisais attention. Alors. Je veux pas dire les développeurs de vœux, mais c'est un peu... voilà. Par niveau... Ouais, bah maintenant, je le saurais. C'est un peu horrible, hein, les développeurs. Putain. Il est même pas indiqué sur la map. Mais quel enfer. Mais quelle bande de... Flûte. Oulala. Ah, c'est vrai que je peux quitter. Ah non, faut que je fasse tout le chemin. Je peux pas sauter. Ouais, il a... En fait, il a une panoplie de boomerang, si tu préfères. Attends, je sais pas où... Quel bouton? En fait, t'as une touche qui te permet de voir tous les boomerangs, mais... Faut croire que je suis un abruti, là. Mais putain. Ah, voilà. Ok, il faut pas appuyer enfoncer, c'est pour ça. Donc, tu peux avoir différents boomerangs avec des capacités bien différentes. Le boomerang basique, le boomerang de flamme, le boomerang avec un viseur. Et un boomerang multiple. Hein. En gros, lui, il produit des boomerangs en illimité et c'est pratique pour bourrer dans le tas façon Doom sur les ennemis. Le zoomerang, du coup, permet de... Attends, faut pas. De, quand tu vises, bah, de viser sacrément loin. Sachant que j'ai le gyroscope de la manette, en plus, c'est incroyablement précis, du coup. C'est précis. Roger la caméra, le stabilisateur. Voilà, c'est bon. La précision gerbatoire. Et encore, hein, vous avez ça en 30 FPS, donc c'est encore plus gerbatron. Ah oui, c'est incroyable. Hein. Puis c'est un tigre en short alors qu'il fait froid. Tiens, un tigre de Tasmanie. On comprend pourquoi l'espèce, elle est complètement disparue aujourd'hui. Quelle idée de se trimballer en short en hiver. Les shorts, c'est cool. Oh la ref, oh la vieille ref. Et du coup, les zoomerangs, oui, comparé aux autres boomerangs, ils tirent loin. Par exemple, là, tu vois, ils dépassent les arbres. Mais si je prends, par exemple, le multirang, voilà, il va pas plus loin que le deuxième. Le doublage, il est aux petits oignons. Le scénario, il est incroyablement kitsch. Et en vrai, c'est très drôle. Voilà, on va au menu. Je me suis complètement trompé. Hein.
J'adore vrai. C'est grave. Très grave. Heureusement que le jeu il sauvegarde auto. Parce que là j'ai vu blanc. Tu sais, il fait combien de degrés dans le jeu? Parce que pour aller jusqu'au sommet des arcs, il fait moins 20 degrés, j'étais en train de me dégeler. Quand j'avais fait une sortie raquette, bon, c'était quand j'étais en primaire. Moi, vu que je suis un demeuré et que je n'aimais pas les jeans quand j'étais petit, bah en fait, j'étais là en jogging. Mon jogging avait gelé sur place à un endroit où c'était assez culminant. Et c'était très drôle. Et ouais, du coup, on est en Australie, hein, c'est ça la blague. C'est ça qui est parfait, c'est ça qui est parfait. Bon, je vais sauvegarder du coup. Et je pense qu'on aura fini pour aujourd'hui. Merci YouTube. DBECO, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça, hein, comme Bipixel au début. C'est bien l'argent.